Rider, dès que je roule, se déclenche. À un moment, j'ai été appelé, et c'était Liberty Rider, et qui voulait savoir si j'avais besoin de secours. J'étais très surpris, et même très agréablement surpris. Ouais, c'est vrai que je l'active pas moi-même, donc le fait qu'il peut s'activer automatiquement, c'est très bien aussi. J'ai atterri dans un champ, et ensuite, 5 à 10 secondes après, j'ai eu l'alarme du téléphone qui a sonné. J'ai reçu très rapidement un appel, donc j'ai réussi à décrocher, à prendre mon téléphone. Du coup, c'était l'assistance de Liberty Rider. Donc, ils m'ont demandé si j'avais besoin d'avoir une assistance. J'ai répondu que oui. J'ai pris l'habitude de lancer l'application Liberty Rider sur mon téléphone chaque fois que je fais un trajet. J'ai chuté avec la moto. Et là, l'application s'est lancée. Je l'ai senti vibrer dans le blouson. Mais j'étais un peu sonnée. Donc, j'ai senti l'application vibrer, mais j'ai pas eu la force de faire quoi que ce soit. Pourquoi tout le monde ne serait pas obligatoirement aussi sur Liberty Rider pour lui et pour son entourage? Et j'en bénéficie grâce à Club 14. C'est génial. J'ai souscrit parce que mon assureuse, c'est ma une conseillère AXA, donc automatiquement, elle m'a proposé un contrat Club 14. Par curiosité, j'ai envie de dire, bah, allez jeter un petit coup d'œil, quoi.